Prenez 2 cuillères à soupe par jour de ce remède naturel et faites fondre votre graisse abdominale. Pour perdre du poids, certaines personnes sont prêtes à tout, quitte à essayer des régimes draconiens ou pire, passer sous le bistouri. Or, pour avoir une silhouette fine, seule l'activité sportive régulière et l'alimentation saine sont efficaces. Mais il est toujours possible de booster le processus de perte de poids en optant pour des boissons brûle-graisse naturelles. L'accumulation des graisses dans le corps est bien plus qu'un problème esthétique, car elle a été liée à de nombreux problèmes de santé, notamment l'hypertension, le diabète de type 2 ou encore les maladies cardiovasculaires. Ainsi, il est important de maintenir un poids santé pour préserver sa santé et éviter ses pathologies. Pour cela, la pratique de sport régulièrement ainsi qu'un régime alimentaire sain et équilibré sont essentiels. Les personnes qui veulent perdre du poids doivent être prêtes à effectuer de nombreux changements dans le mode de vie afin d'atteindre leur but. Sport. Trois séances d'entraînement par semaine au minimum, varier les exercices, travailler l'ensemble du corps et pas seulement les zones résistantes, choisir des exercices polyarticulaires qui sollicitent plusieurs muscles à la fois. Alimentation. Boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits et de légumes. Des saisons de préférence, consommer des protéines maigres, privilégier les glucides complexes, manger 5 à 6 repas par jour en veillant à réduire les portions. Faire idéalement 3 repas principaux et 2 à 3 collations. Consommer des aliments riches en acides gras, bons gras, comme les avocats, les poissons gras, les noix, les graines et. Outre ces deux impératifs, il est aussi possible de maximiser les résultats de perte de poids en consommant des boissons brûle-graisse naturelles. Voici une recette facile à préparer. Ingrédients. 4 citrons, 2 cm de racines de gingembre râpées, 2 cuillères à soupe de cannelle, 1/4 de tasse d'eau fraîche. Préparation et utilisation. Placez tous les ingrédients dans un mixeur et mélangez jusqu'à obtenir une consistance homogène. Versez le mélange dans un bocal en verre à fermeture hermétique et consommez 2 cuillères à soupe avant le dîner. Faites une cure de 3 semaines à renouveler après 2 mois. Conservez le bocal au réfrigérateur. Bienfaits des ingrédients citron. Le citron est le roi de la détox mais aussi de la minceur. Cet ingrédient qui est utilisé dans différentes recettes beauté, notamment pour prendre soin de la peau, est un vrai allié santé. En effet, cet agrume permet de lutter contre les symptômes du rhume et de la grippe et aide à renforcer le système immunitaire, mais aussi à purifier le corps. Le citron permet également de perdre du poids car il booste le métabolisme grâce à sa richesse en vitamine C,
et augmente la sensation de satiété parce qu'il a une forte teneur en fibres alimentaires. Mise en garde, le citron est déconseillé en cas d'ulcère d'estomac ainsi que de troubles biliaires et rénaux. Le gingembre. Idéal pour soulager les nausées et vomissements provoqués par le mal de transport ou la grossesse, le gingembre est un aussi un puissant anti-inflammatoire qui aide à traiter plusieurs maux. Mais pas que, cet ingrédient possède aussi des vertus amincissantes. En effet, grâce au processus de thermogenèse qu'il provoque, le gingembre pousse le corps à puiser dans ses réserves de graisse, ce qui permet d'en brûler plus. Mise en garde, le gingembre n'est pas conseillé aux femmes enceintes et allaitantes, pour les personnes chétives et celles atteintes de diabète. La cannelle. Très utilisée en cuisine, la cannelle est aussi réputée pour ses nombreux bienfaits pour la santé. En effet, cet ingrédient est efficace pour soulager les ballonnements et les nausées, contrôler la glycémie mais aussi pour améliorer la digestion. La cannelle possède aussi d'intéressantes vertus amincissantes. En agissant comme coupe-faim, limitant les envies de sucre et en favorisant la combustion des dépôts de graisse, cette épice peut aider à perdre du poids. Attention, la cannelle doit être consommée avec modération. En cas d'excès, elle peut provoquer des nausées et des palpitations.